Salut à tous, une vidéo qui se résumera à il n'y a pas que Linux dans le monde du libre. Linux, je sous-entends, distribution GNU Linux. Il y a aussi ses cousines, les BSD libres. Donc, pour changer un peu et varier le plaisir et ne pas parler que des distributions GNU Linux, je vais vous parler de la version 11.1 Alpha 1 de GhostBSD. GhostBSD, c'est un peu le principe de Ubuntu pour FreeBSD, en cloud version simplificatrice. La version 11.1 Alpha 1 est sortie le jour même où j'enregistre la vidéo, en clair le 10 août. Non, pardon. Elle est sortie la veille, donc elle est sortie le 9 août, autant pour moi. Donc comme son numéro de version l'indique, c'est basé sur FreeBSD 11.1 avec des images 32, 64 bits pour mater et XFCE. Donc maintenant le projet a forqué les dépôts de FreeBSD pour proposer parfois des trucs légèrement plus frais. Parce qu'il faut dire, même si les BSD sont des très bons environnements qui sont très intéressants, parfois la fraîcheur logicielle, c'est pas ça. Voilà, donc je vous mettrai le lien vers le descriptif concernant l'annonce de publication. On peut utiliser avec du format ZFS, enfin, on peut utiliser ZFS ou UFS, en clair, le système de fichiers moderne ou le plus ancien. Bien sûr, c'est une première version alpha. Donc là, je ne vais pas m'attacher à la stabilité d'ensemble, mais juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Quoique, selon mes premiers tests préliminaires, alpha 1, on pourrait presque dire bêta 1. Vous allez voir ça. Donc, j'ai récupéré les ISO. Voilà, donc les ISO ici. J'ai pris la version matée. Voilà. Et donc, je vais vérifier que mon image ISO est correcte. Donc, je vais dans le dossier personnel. Téléchargement. Voilà. Donc, j'ai pris la somme de vérification SHA 256. MD5 aussi. Donc, on va faire les deux. Même si le SHA, enfin le MD5 SUM est cassable avec un simple portable côté vitesse de calcul. Le SHA 256 étant légèrement plus robuste. Donc s'il me dit pas deux fois réussi, on pourra tranquillement installer l'ISO. Ce n'est pas la première fois que je parle de GhostBSD. Si vous faites une recherche sur ma chaîne, j'en ai déjà parlé à plusieurs occasions. C'est un projet qui m'intéresse vraiment. Donc, je me suis dit pourquoi ne pas profiter de la sortie de la Alpha 1 pour en parler, en espérant que les versions Alpha 2 et Beta arriveront assez vite. Donc, je suppose qu'il n'y aura pas énormément de mises à jour en 24 heures. Ce n'est pas comme une arch Linux. Donc, ok, c'est bon pour les deux. Deux tests réussis. Je vous le prouve. Réussi. Réussi. Donc, c'est bon, on peut attaquer la suite. Donc, j'ai ma machine virtuelle avec l'image disque. Voilà. Et on est parti. Donc, ce que je ferai, c'est je mettrai la vidéo en pause au début de l'installation, parce qu'elle est un peu longue, et je reviendrai une fois l'installation terminée. Bon, le démarrage est un peu long, c'est normal, même en machine virtuelle. Ah, par contre, je vous préviens, je ne pourrais pas faire le bug, le texte classique de l'imprimante en port USB, parce que monsieur a décidé de péter un câble. Donc, je ne sais pas pourquoi, je ne vais pas réactiver les paramètres USB. Aujourd'hui, il a décidé de me faciliter le transit.
méchant VirtualBox. Donc il n'y aura pas le test de l'imprimante pour savoir si elle est reconnue ou pas. Ça m'énerve. Méchant, méchant, méchant. Voilà, donc le démarrage est un peu long, c'est normal, c'est en mode lecture uniquement, donc c'est un peu plus long que sur une installation réelle. Donc là, le nom d'utilisateur est GhostBSD. Bon, bien sûr, il démarre en anglais parce qu'on ne peut pas choisir la langue au démarrage. Pardon, excusez, j'ai un chat dans la gorge. Le fond d'écran est sympa. Et on peut voir que l'icône du CD-ROM gratte pas mal. Voilà. Donc on a une police qui est assez agréable. Assez grosse aussi d'ailleurs. D'accord. Là, c'est sûrement les ralentissements liés à la machine virtuelle. Ça fait un peu mal aux oreilles. Hein. Donc. Nous avons un environnement maté, tout ce qui est le plus classique. La version de maté. Un 18 quand même. Ah oui. Je veux savoir comment s'appelle cette police parce que je la trouve sympa. Alors, look and feel. On sent un thème spécifique à GhostBSD. Alors. Customize. Donc, le MX6 pour les contrôles, ok. Icône, c'est vivacious. Pointeur. Il n'y a pas les polices. Ah, bien sûr, je me suis gouré d'anglais. Donc, c'est la Montserrat. Bon, ben, c'est une très jolie police d'icône. Enfin, police d'icône, police d'écran. Faudra que je me le note. Donc là, on a les applications classiques, on a bien sûr, on a tout l'équipement classique d'un Maté, avec LibreOffice, Firefox, Thunderbird, ah, quand même, Pigeon a pas mal de petits trucs, hein. On a Exile, pourquoi pas, GNOME Player, Cheese, ok. Donc un outil pour apporter les bugs sur le bug tracker de GhostBSD, OctoPKG, donc le fork d'Octopi, pour BSD. Donc on va installer l'ensemble. Donc là déjà on va choisir le français. Avec le clavier qui va bien, en fonction de votre endroit où vous vous trouvez. Hein. Oh, le clavier fonctionne correctement. Ça fait plaisir. Donc, ensuite, le fuseau horaire. Donc, on peut prendre du full UFS, c'est-à-dire ancien formatage, en automatique, en partitionnement personnalisé ou du ZFS. On peut installer soit GRUB, mais là, je vais garder les options par défaut. Parce que je n'ai pas envie de me prendre la tête. Voilà, donc je prends les options par défaut. Alors, on va essayer quand même de mettre un mot de passe administrateur solide. Voilà.
Bon, je m'en rappelle. Donc, on touche pas. Mais je vais mettre un mot de passe solide. Ça n'a pas marqué Superweak. Je me rappelle. Donc on a deux choix d'embarras. Soit fiche, soit bâche, soit SSH. Vous connaissez mes goûts. Allez, on va mettre SSH. Miam miam. Et on est parti pour l'installation. Allez. Donc j'espère qu'il n'a pas tardé. Voilà. Donc il est 14h34 de la machine virtuelle, 16h34. On se dit à dans un quart d'heure, 20 minutes. À toute. Voilà, 17 minutes sont passées. L'installation est terminée. On peut redémarrer. Donc je note, ça fait 17 minutes. Et on redémarre. Le monsieur t'a dit redémarrer. Merci. Vous voyez, il nous dit qu'on peut redémarrer. Et normalement, ce sera pas un peu rapide au démarrage, étant donné qu'il démarrera sur un disque dur, même virtuel. Entre la théorie et la pratique. Je ne sais plus qui disait je veux vivre en théorie parce que tout se passe bien en théorie. Si vous le savez, mettez-moi un petit commentaire, je serai bien content. Bon, voir le niveau, c'est sûrement du Woody Allen. Donc, nous avons notre grub. Je vais voir quand même si ça me met toujours le bug des férif. Sale bête. Brrr. Il y a un petit bug en ce moment avec VirtualBox et mes périphériques en USB. Ça, le bête. Et pour les fans de système d'initialisation, c'est du BSD init. Comme ça c'est dit. Mais il y a souvent des fans de ce genre de trucs. Hein. Donc là, je vais passer en plein écran. Voilà. Donc là, j'espère que je n'ai pas fait d'erreur à saisir mon mot de passe. Ah, déjà, ça c'est bon. Ok, à la bonne heure pour ça. Donc je vais juste mettre l'emplacement pour personnaliser un tout petit peu la météo. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne. Donc apparemment il n'a pas mis les icônes de ces deux répertoires. Est-ce qu'on peut... Oui, on peut parcourir le réseau. Très bien, déjà c'est un bon point. Donc peut-être que... Non, excusez là. Voilà. Voilà.
0, 4, 0 et 0. Voilà, donc nous avons, donc on va bien voir que c'est un noyau 11. Ah, il est basé sur la version RC3 de FreeBSD 11.1. Au moins, on saura ça. Donc, XDG User DRS Update. XDG User DRS Update. Et normalement, ah, c'est bon ça. Donc nous avons déjà les répertoires traduits en français. Très bon point. Il n'a même pas fallu très longtemps pour avoir les répertoires utilisateurs en français. Ça, c'est un très bon point. Donc, blablabla. Le clavier, donc je vais vérifier qu'il était bien en français étant donné que j'ai tapé sur mon clavier en aveugle. Très bien. Donc là, je vais voir s'il y a des paquets linguistiques à installer, style par exemple pour LibreOffice. Voilà, si je ne me trompe pas de mot de passe, ça sera mieux. Ah, d'accord, j'ai compris. Ah, mais bon sang! Ah, il m'énerve maintenant. Alors, est-ce que c'est celui-là? Il m'énerve, il m'énerve, il m'énerve. Est-ce que je me suis gouré de mots de passe? Alors, je vais faire SU. Donc là, je modifie mon mot de passe route et je reviens. Désolé pour les aléas, je mets la vidéo en coupure. Il est 16h57. Je reviens dans 3-4 minutes, le temps de corriger mon mot de passe. A tout de suite. Voilà, c'est bon, j'ai modifié mon mot de passe. Désolé pour la coupure, je vais taper un autre mot de passe un peu plus simple pour route. Bref, donc là je repasse en plein écran. Aléa du direct, n'est-ce pas? Donc, on revient à OctoPKG et on recommence le mot de passe. Et normalement, ça devrait fonctionner. Voilà. Ça m'apprendra à jouer au bip. Bon, j'ai oublié un caractère au passage, mais c'est pas bien grave. J'ai réussi à contourner le problème. Donc là, on va rechercher la recherche sur les paquets installés et sur les paquets à distance, donc non installés. On va rechercher LibreOffice par exemple. Donc on va installer le paquet FR LibreOffice. On va voir ce qu'il nous dit pour Firefox. Donc, on a soit Firefox court ou long terme. On peut aussi installer le Linux Firefox si on en a envie. En mode de compatibilité. Donc, et Thunderbird. Mais on va lancer l'installation sous base arrière. Donc c'est notre ami Octopi en format supportant les paquets PKG de LibreOffice de FreeBSD. Ah, par contre, il n'y a pas GIMP. Je le resserrerai après. Vous voyez quand même, mis à part ce petit bug, j'étais obligé de faire la coupure temporaire de la vidéo, ce qui est ennuyeux. Donc normalement, si on lance LibreOffice,
par exemple Writer, il devrait être en français. Si tout se passe bien. Là, je garde donc tout le package ouvert. On ne sait jamais, on n'est jamais trop prudent. Wonderful. Que demande le peuple? Donc là, on va regarder par exemple si HP Lip, ne serait-ce que pour mon imprimante HP. Ouais, donc si je veux, je peux essayer la version 3.17.4, qui est une version assez récente, je dirais. Alors, Internet, on va aller sur Firefox. Le passé peut être en français. Je suppose que la version ne va pas être directement en français. Bon, Firefox est toujours un peu long à démarrer. Donc là, monsieur prend ses aises. Bon, il faut dire aussi que je suis une machine virtuelle. Ça n'aide pas. Voilà. Donc, voilà. Use the Firefox as my default browser. Donc là, on va voir si les paquets de langues sont préinstallés. Extension. Est-ce qu'il y a des greffons? Mis à part ça, oui. Il n'y en a pas, ok. Allez. Le monsieur t'a dit qu'il voulait aller sur les langues. Le monsieur te remercie. Donc, il suffit de prendre... Voilà. Par sécurité, on va aller dans About Config. J'accepte le risque et on cherche general.useragent. Et normalement, au démarrage suivant, on doit avoir un Firefox qui nous parlera en français. Je suis vraiment surpris de voir que GhostBSD a pris le risque de proposer Maté 1.18. Je crois que le Maté officiel de FreeBSD, c'est le 1.12, à vérifier. Donc. Si je ne lance pas, ça ne serait pas avancé. Ah, ça va mieux. Donc, on va voir si la version 3.17.4 d'HP Lip est derrière ou pas. Ou c'est suffisamment récente pour du matos comme le mien. Alors, download la dernière version. La 3.17.7. C'est quand même pas si mal. Que ça. C'est même honorable. Très honorable. Donc, si je veux installer ça, si j'avais pu faire fonctionner le USB, je pense que mon imprimante aurait été reconnue. Là, j'en profite aussi pour installer les additions invitées de
VirtualBox, histoire de au moins améliorer l'affichage de l'écran. En même temps, j'en profite, je vais voir aussi la version de Maté qui est disponible sous FreeBSD. Donc, on va chercher FreeBSD Maté. Mais je crois que c'est la version 1.12. Étonnant, ce... Bref. Donc, blablabla. Install. Loading service. Si vous pouvez me dire la version, ça m'arrangerait. Mais voilà, tout simplement, suis-je bright? Ah non, apparemment c'est la version 18. Autant pour moi. Voilà, donc, c'est la version 1.18 pour aussi pour FreeBSD officiel. Donc, je n'ai rien dit. Je fais mon mea culpa. Je pensais que Maté était un peu moins avancé sur FreeBSD. C'est peut-être aussi mes souvenirs de FreeBSD 10 qui me faisaient dire ça. Donc, mea culpa, c'est bien Maté 1.18 qui est disponible sous FreeBSD 11.1. Mea culpa, mea culpa, mea culpa. Voilà, ça c'est dit. On va prendre aussi Gimp. Ce qui est chiant par contre, c'est qu'Octopi a tendance à se mettre directement dans la recherche des paquets installés. Ah! Bien! Donc on va mettre Gimp. Et on va chercher des paquets VirtualBox. Addition. VirtualBox Addition. Je vais prendre celle-là. Je vais prendre le K-Mod. J'ai pas envie de toucher au NoXense parce que je sais pas si ça va fonctionner ou pas. C'est quoi les Box Tools? Non, c'est pas intéressant. Donc là, on va lancer l'installation de tout ce bazar. Bon, si on va dans cocher. Les accessoires, je pense qu'HP doit être disponible. Voilà, HP Device Manager est disponible. Il manque de peau quand je ne peux pas tester avec mon imprimante. Mais sinon, on se retrouve avec un équipement qui est sympatoche, hein, mine de rien. Bon, sur les vidéos, on a GNOME Player. Je préfère GNOME MPV, mais on ne peut pas tout avoir. On a Exile. Pourquoi pas? À telle fois, je vois si. Ah, d'accord, le son est en sourdine. Donc, c'est pour ça qu'il n'y avait pas. Voilà. Alors, je vais voir maintenant si on peut avoir du son. Donc, ça serait peut-être un peu de crépité. Ok, donc le son était en sourdine. Mais sinon, pour une première alpha, c'est quand même assez utilisable, je voudrais dire. Alors, on va faire de même avec Thunderbird qu'on avait fait comme pour Mozilla Firefox. On va le passer en français. Même principe. Même punition. Pendant qu'il nous finit de récupérer ça, on va lancer Thunderbird. Je vais redémarrer une dernière fois pour voir si on peut avoir un affichage en plein écran, ce qui serait quand même plus sympa.
Et si vous voulez savoir comment j'ai résolu le bug du mot de passe, j'ai fait dans un terminal sudo password root. Ça m'a permis de modifier. Enfin, sudo passwd root. Ça m'a permis de modifier le mot de passe. J'avais un petit doute, donc c'est pour ça que j'ai préféré couper la vidéo et la relancer. Dans les extensions. Bon, pourquoi désactiver, on ne sait rien du tout. Donc là, on va passer au niveau. Voilà, on va activer ça. Et comme pour Firefox, il faut passer par About Config. Donc il faut aller dans Préférences. Préférences. C'est un peu plus ennuyeux. Il faut dans Avancer, Config Editor, et là on accède enfin à la valeur qu'on peut modifier. Donc on remplace par fr-fr. Et si on redémarre Thunderbird, normalement, il devrait être en français. Thunderbird contient maintenant des fonctionnalités d'agenda en intégrant Lightning. Donc Lightning, il faut soit le désactiver, le réactiver, mais on ne peut plus le trouver directement sur le... D'accord. Donc peut-être qu'en désactivant et le réactivant, ça va faire passer en français. Donc je vais mettre Disable. Restart now. Pendant qu'il finit de m'installer. Bon, j'ai pas mis la dernière ligne française de GIMP, mais c'est pas bien grave. C'est juste pour voir ce que ça donne. Et on testera après le support audio et vidéo de cette version alpha de GhostBSD. Mais déjà, vu ce qui est proposé, c'est assez sympatoche. Pour ne pas dire plus. Donc, plus tard, merci. Extension, je vais essayer de réactiver. Je vais voir si elle passe en français maintenant ou pas. Parce que Lightning est un brin casse-bonbon. À part passer en français maintenant qu'elle est intégrée. Bon, mais maintenant qu'elle est intégrée, mais pour le faire passer en français, c'est la mouimouise. Donc c'est pas grave. Voilà, on a un Thunderbird 52, je dirais, à première vue. 52.2.1. Ouais. Donc un Firebird 52. Thunderbird 52, pardon. Notre ami Gimp doit être. Voilà. Gimp répond à l'appel, à tarte. Je sais, c'est nul. Mais on est un jeudi, je ne peux pas faire mieux. Voilà. Donc là, on fait fenêtre. Non, c'est pas ça. On va agrandir un tout petit peu. On va passer en mode fenêtre unique. Voilà, donc nous avons un GIMP 2.8.22. Je crois avoir lu. Vivement GIMP 2.10, n'est-ce pas? Donc là, on va quitter et on va redémarrer pour voir ce que nous donne le support VirtualBox. Éteindre, redémarrer.
Après, on ira sur notre ami Alter Music, récupérer un album en format MP3 et le lancer dans Exile. Je crois que Quodlibet est disponible, mais autant utiliser l'existant. Donc on va savoir très vite si ça va passer en plein écran ou pas. Ah zut, j'ai fait une erreur au niveau de mon mot de passe. Donc normalement, si tout se passe bien, il devrait passer en plein écran. Si tout se passe bien. Ah oui, c'est bon ça. C'est agréable d'avoir d'un seul coup un affichage en plein écran. Bon, bien sûr, c'est un peu long parce que c'est une machine virtuelle, c'est une version alpha, mais. Elle est pas mal son démarrage. Donc je vais juste déplacer ça. C'est un problème. Voilà. Ça sera mieux là. Ah, il faut aussi d'abord que je déverrouille ça. Déplacer. Crac. Boum. Crac. Attends, je te verrouille là, toi. Et toi, je te déplacer et te verrouiller là. Ah. Voilà. Donc nous avons notre Mate 1.18 en plein écran. Donc on va voir du côté de Alter Music. C'est quand même agréable d'avoir un affichage plus grand, n'est-ce pas? Et on va changer aussi le fond d'écran au passage. Parce que je crois qu'il y a d'autres fonds d'écran qui sont assez sympas. Et que je risque de typiaquer. Je sais, c'est pas bien, mais quand il y a des jolis fonds d'écran, autant en profiter. Voilà. Non, pendant ce temps-là, je vais aller sur Internet Musique pour tester le support du maudit MP3. On va prendre celui-là, tiens, n'importe lequel, on sent. Musique concrète improvisée. Oula! Ça va promettre. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme fond d'écran? Ouh, il est joli celui-là. Ah, vivi, superbe. Pas bon y avoir papa, lui. Donc, normalement, si on va dans le dossier personnel, qu'on va dans téléchargement, on va faire extraire ici. On va mettre ça dans musique. Je sais pas ce que ça va donner. Ça va être la surprise du chef. Et on va lancer Exile. Alors. No suitable plugin found. D'accord, il manque quelque chose. D'accord. Donc on va voir avec Octopi, Octopi 4G, je vais voir s'il manque pas des griffons des streamers plugins bad.
Comme quoi, j'ai bien fait tester. Donc on va chercher The Streamer. Plugins bad. Ah, ça m'énerve, je veux pas dans la série des paquets installés. Alors. Comme ça au moins. Ça va installer tous les paquets. Un peu excessif, mais on sera sûr certain d'avoir le truc fonctionnel. Oui, je sais, c'est un peu comme écraser une fourmi avec une bombe thermonucléaire, mais au moins on se tranquille. Pendant ce temps-là, on va essayer aussi de GhostBSD. Pour voir ce qui est prévu pour la suite. Alors, ça va sur le forum community. GhostBSD forum. Announcement. Je crois que je surveillais déjà l'Alpha 1 parce que je voulais m'informer sur les nouveautés de GhostBSD. C'est un projet quand même que je suis d'un œil intéressé et j'avais lu quelque chose d'intéressant. Voilà. Au 16 mai, il faudra peut-être aussi que je mette l'anti-pub. Slim sera remplacé par l'IDM dans la prochaine version. Donc peut-être c'est par l'époque qui voulait être pour l'Alpha 1 remplacer Slim par l'IDM, mais apparemment ce n'est pas encore le cas. Donc on va voir ce qu'ils disent dans l'annonce de publication de l'Alpha 1 officielle. Blablabla. J'espère que ça sera le cas pour la version finale parce que Slim commence à être un peu vieux et surtout il risque d'être rapidement abandonné. Que, bon, je suis allé un peu loin, je suis d'accord avec le GStreamer Plugin All, mais au moins comme ça on est tranquille. On est sûr certain qu'il ne manquera pas un greffon. Un peu casse-bonbon. Mais comme l'installation des paquets est assez rapide, ce qui est une chance. Et sur les 128 Go, il me reste 112 Go, donc autant dire que le système est très 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 lourd. On a connu plus lourd. Je pense que cette fois-ci que Exile voudra bien me lire les fichiers MP3. Parce qu'il ne va pas manquer un greffon de GStreamer. Peut-être. Bon, c'est vrai que GhostBSD n'est pas à destination du débutant complet. Et ça, je ne mettrai jamais dans les mains d'un débutant complet. Mais pour une personne qui a envie de découvrir BSD en douceur, ça peut être un très bon choix.
Donc, alors cette fois-ci, nous aurons droit à la production sonore. Ouais, mais c'est bon, le son fonctionne, hein. Donc on va voir si le HTML5 fonctionne bien dans FreeBSD, dans tout ce qui est BSD libre. Normalement, ça devrait le faire. On va voir une vidéo n'importe laquelle sur YouTube et on fera la même chose sur Dailymotion. On va commencer par YouTube. On verra comme ça si Dailymotion fait du Daily 2. Entre guillemets, sale gueule par rapport à ses utilisateurs. Voilà. On va prendre n'importe lequel. Ah zut! Je sais pas beaucoup ce qui s'est passé. Celui-là, tiens, juste pour tester. Donc on va voir si là. Bon, c'est pas ça que je voulais lancer, mais au moins ça fonctionne. Donc là, on va voir avec notre ami Dailymotion. Ce sera le dernier test de cette vidéo, avant d'arriver à la conclusion. Donc on va voir si il y a un truc, mais un délit de sale gueule par rapport à l'utilisation d'une plateforme BSD. Santé. Voilà, eh bien dis donc, elle n'est pas légère à part ça, hein. On va prendre celle-là, tiens. Juste pour tester. La personne demandera pourquoi je préfère YouTube. Boss, bonsoir. Le jour d'après, des petits yeux, mais un énorme bonheur sur votre visite. Bah, donc ça fonctionne, mais par contre Dailymotion est un véritable. Et les formes obèses vont fonctionner. Donc on va éteindre l'ensemble et passer à la conclusion. Donc l'extinction est toujours un bras long. Vaut mieux vous passer 5 minutes de plus que, n'est-ce pas?
Donc, pour conclure, c'est une très bonne première alpha. J'avoue que même dans le monde Linux, moi je pourrais dire que c'est plus proche de la bêta que de l'alpha, mais peut-être que le monde de BSD est un peu plus tatillon sur le plan des appellations et du niveau de qualité. Je sais pas. Donc, si vous avez un jour envie de tâter du monde de BSD pour vous changer les idées, GhostBSD peut être un très bon candidat. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao!